Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour ce nouveau test d'intra. Avant de commencer, il faut savoir que je les ai pris sur AliExpress, sur le store NiceHCK, et qu'ils m'ont fait une petite réduction à ma demande pour pouvoir payer moins cher parce que j'en ai pris plusieurs et cela coûte un peu cher. Un prochain partenariat devrait se faire, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Déjà, ça me fait une commission et ça va réorienter normalement sur NiceHCK et montrer un peu l'intérêt du partenariat. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, ça permet de faire un truc sympa. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très fan de KZ. J'aime beaucoup leurs produits, notamment les derniers, les ZS10 que j'adore, qui sont d'ailleurs juste là, et les ZS6 en termes de neutralité, qui sont assez sympas. Je voulais évoluer un peu en gamme et essayer de trouver quelque chose d'une alternative au KZ qui soit aussi bien, voire mieux, voir ce que ça donne à 70€. Ils sont très sympathiques, ils ont la particularité d'avoir un câble détachable en MMCX et d'avoir en fait un petit filtre ici qu'on peut changer par soit du standard, soit plus orienté aigu, soit plus orienté basse. Et ça m'intéressait beaucoup de pouvoir changer ce système, surtout pour le prix auquel c'est vendu. Les reviews sur notamment Edfi étaient intéressantes parce que justement pour une des personnes c'était en plus de ça un acheteur compulsif, quelque chose de très très sympathique parce que justement pour moins de 100$ c'est parmi les meilleurs, sachant qu'il coûte 70€ donc environ 85$, donc très intéressant. Ce qui fait que je les ai pris et alors déjà la boîte est très sympathique, on voit ça, bon, Hi-Fi In-Ear, Dynamic Unbalanced, Armature Hybrid, AF Earphone. Sound Technology, bon je sais pas, bon après c'est du 3,5 mm. Et ce que j'aime bien c'est au dos. Déjà au dos ça met vraiment le ton, le côté un peu premium, le côté un peu qualité, parce que donc Hi-Fi Hybrid, 98 décibels pour la sensibilité, 16 ohms de 10 à 40 Hz, 35 grammes, 1,1 mètre au niveau du câble. Et donc en mode en fait le câble est droit. Ce qui est très intéressant, c'est que donc ils expliquent l'avantage, etc. Parce qu'on a quelque chose qui bouge un petit peu pour améliorer la qualité du son. Et on peut voir directement ici la signature. Et ça, je trouve ça génial. Je vous zoome le truc. Voilà la signature. La signature fait pas mal penser un peu aux ZS6 et plus peut-être aux ZS10 avec plus d'aigu. Donc là, on a les basses. On a après plus dans les bas médiums, ça va ressembler à ça. Et après, dans les hauts médiums, on est là. Et là, les aigus. Donc, en soi, c'est pas ultra neutre, mais c'est plutôt neutre sur ce qui est montré. Mais ce que j'aime bien surtout, c'est annoncer la signature qui, en plus de ça, représente la réalité. Je trouve ça très sympa et pour le coup, bah, ça permet de montrer un peu ce que vaut l'appareil à réception. Voilà, voilà à quoi tu auras droit en signature déjà dès le départ. Ce que je trouve déjà très sympa. En ouvrant la boîte, alors déjà j'aime beaucoup l'ouverture, je trouve que ça fait pareil très premium. Et on a une petite, voilà, un petit cache qui permet de, voilà, juste ma cave. On le soulève et je voulais montrer, et j'ai tout remis en place, l'intérieur. Alors je vais mettre un petit peu plus d'ISO pour que vous voyez. Et voilà un petit peu, vous avez les écouteurs ici. Et vous avez alors, ici donc c'est les différents filtres en fait qui vont permettre de changer la qualité du son, on va dire. Enfin la signature. Ici vous avez sur une petite pièce en métal que je trouve très, très classe, des embouts en mousse. Alors moi je n'aime pas ça donc je les ai pas, mais c'est quand même vachement sympa pour la présentation. Et ici vous avez les embouts classiques, moi je prends les médiums, hop je les retire. Si j'y arrive, ils sont un petit peu durs, c'est super bien présenté, mais c'est juste un peu dur en long. Hop, voici. Et vous avez les écouteurs ici. Alors, je vais pas enlever le reste, mais normalement en dessous, vous avez le câble qui est sur le côté, et vous avez aussi, hop, une... Alors, je vais y arriver. Bon, on va faire comme ça. On peut le retirer d'en dessous, voilà, tout simplement. Ici, normalement, vous avez le câble qui est sur le côté. Et en dessous, vous avez une petite boîte avec des petites choses, la garantie, ce genre de choses. Et vous avez aussi, alors, très sympathique, comme vous pouvez le voir, une petite pochette. Alors, je ne sais pas en quelle matière c'est, ça fait un peu velours. Et alors, j'aime beaucoup la présentation, je la trouve super classe. Pour l'avoir montré à Vito, il a adoré. Et en fait, ça va permettre de mettre les filtres, etc. ici. Et de ranger les écouteurs, tout simplement. Donc, je la trouve très sympa. Même le mode de fermeture où on passe juste comme ça en dessous. Et ça tient bien en plus de ça. Je la trouve super classe. Ensuite, on va mettre ça hop, ici. Vous avez le câble.
Alors le câble, alors on va baisser un peu les ISO encore. Le câble ici, on peut voir que en fait, alors la seule chose c'est que là la glu apparemment a pas très bien tenu, donc ce qui fait que ça aura tendance à s'enlever. Ça c'est le truc un petit peu dommage, ça s'est enlevé ces derniers jours. Mais en tout cas c'est en métal, c'est bien bien mastoc. Ici le système pour pas que ça justement ça se... C'est plutôt pas mal, c'est bien épais aussi, ça a l'air bien résistant. On a un câble tressé en donc Oxygen Free Copper, donc de bonne qualité aussi. Un petit scratch en fait pour pouvoir enrouler simplement tout et hop on met le scratch autour. Le ici le dédoubleur ici qui est pareil en métal de très bonne qualité. Et on arrive au câble MMCX. Alors à savoir que, et c'est les 10, il faut arriver à le savoir, vous avez un détrompeur, donc celui qui est avec un point, comme vous pouvez voir ici. Donc ce petit point, en fait, il faut le mettre pour le côté gauche. Hop, ici, alors le gauche, alors là c'est right, et là c'est left. Donc, alors en plus de ça, c'est du MMCX, alors pour les peu que j'ai eu, celui-là, il faut bien l'enfoncer, c'est très dur à enlever, ça tient vraiment bien en fait, c'est pas juste un clip, c'est vraiment, il faut forcer un peu, ce qui donne vraiment ce côté un peu résistant. Et ce qui va être bien aussi, c'est que le câble ne va pas bouger tout le temps. Là, il va vraiment être fixe, il va vraiment rester comme ça. Et c'est vachement bien quand vous voulez le remettre dans l'oreille. Au moins, vous savez que vous pouvez compter dessus. Ça va toujours rester dans cette position-là, alors que certains, bah, ça va bouger dans tous les sens. On peut voir, alors, pour les oreilles, il va falloir faire attention. C'est un peu épais au bord, on peut le voir. Ça va bien retenir, on peut voir justement l'embout. Et justement, donc on peut le... hop, dévisser. C'est ça que je trouve génial. On va pouvoir le dévisser pour le changer pour l'un des deux autres. J'en parlerai sur la partie son. Et donc, vous en avez le standard, lui, il est gris, donc classique. Hop. Je sais pas si je suis bien... Mais en fait, on peut voir... Oh, c'est normalement, c'est bon. Vous avez celui-là, vous avez aussi un noir, donc là, ça va être plus basseux. Et un doré qui, lui, va être plus orienté pour les aigus. C'est dit clairement, les noirs ça va être plus pour tout ce qui est heavy metal ou tout ce qui est électro. Le standard ça va être pour tout type de musique parce que ça va être plutôt neutre. Et le côté aigu est pour tout ce qui est classique. Mais vraiment vraiment type classique, moi qui écoute du audio machine, ça va être un peu plus adapté. Ce qui est bien c'est que le standard s'adapte vraiment à tout et ça on va parler niveau son. D'ailleurs les écouteurs je vous les ai pas trop montrés mais ils sont super classe. Donc là on a le M de Macao qui fait un peu une signature. C'est un en vert. Ici on a en fait c'est pour que ça puisse en fait respirer pour les basses etc. C'est tout en métal. C'est du métal de très très bonne qualité clairement. Ça se voit tout de suite. Ça se ressent aussi parce que c'est un petit peu lourd quand même. Ça va être la chose. Et on a vraiment l'ensemble est vraiment de bonne qualité. Même le câble ici, le câble est de très bonne qualité. Juste bon il faudrait que je remette de la colle pour ça, mais sinon, c'est vraiment de la bonne qualité, et on sent qu'on a vraiment quelque chose déjà un peu plus premium que ce que propose KZ en termes de qualité. Mais c'est vraiment, vraiment premium, et c'est assez sympathique. Donc déjà, très bonne chose, et première sensation et premier visuel, ils sont très très classe, vraiment très classe. Alors, tout simplement, on les met derrière l'oreille, donc chose classique, et donc, ce qui fait qu'ils vont... Alors, ils vont être bien dans l'oreille, ils vont tenir par ça, mais... Ils vont être aussi, ils vont être autour pour que ça tienne, en tout cas pour moi. Sachant que chaque oreille est différente, à vous de voir. Ce qui fait qu'au niveau du confort, je les trouve vraiment bien. J'ai tendance un petit peu... Alors, ils ont tendance à être un peu lourds, donc ça va être l'arrière qui va tendance à se sentir. Mais globalement, de bas, c'est plutôt bon, c'est assez sympathique. C'est un peu lourd, comme je l'ai dit, donc ça va se sentir un petit peu au départ. Après, qu'on a l'habitude, on aura tendance à les oublier. Là où les oublie de plus, d'ailleurs, c'est quand j'aurai tendance, moi, un peu, soit dans le lit, soit par exemple à mon taf, quand je prends ma petite pause, j'ai tendance à bien m'allonger. Et quand je suis comme ça, je les sens plus. Et... Par rapport au son, c'est en plus un impact supplémentaire parce que j'ai tendance à plus trop les sentir et ce qui fait que c'est sympathique de ce point de vue-là. Alors, au niveau du son, alors déjà pour que je montre bien un peu comment ça fait dans l'oreille parce que je sais que certains aiment bien le style, voilà ce que ça donne. Je sais pas si ça se voit bien, mais on peut voir ici qu'il y a surtout, voilà, ça reste dans l'oreille. En fait, là où les KZ ZS6 ou les ZS10 ont tendance un peu à ressortir, ici ça reste plutôt discret, ce qui est plutôt cool de ce point de vue-là. Ensuite, donc déjà, ce qui fait qu'au niveau du confort, j'ai aucun problème de ce point de vue-là. Le confort est vraiment bon. Pour le son va être très intéressant puisqu'on va devoir aborder trois signatures différentes. Mais clairement, déjà, je peux vous le dire, on en a pour son argent.
comme ce que dit le gars de Edfi, celui le standard, celui qui a par défaut, c'est le plus intéressant globalement, et c'est celui que j'utilise tout le temps, les deux autres étant plus pour des côtés particuliers, j'ai tendance à beaucoup moins les utiliser, même s'ils sont intéressants. La signature, alors là on a vu, bah, la signature vous l'avez vu tout simplement juste avant, je vous la remets pour ceux qui ont un peu sauté cette étape, mais la signature la voilà, en standard c'est ce que ça donne. Donc ce qui fait que c'est pas ultra neutre, mais ça a tendance quand même à être assez neutre globalement, c'est tout est assez équilibré, ce qui fait que même si on voit cette différence, en tout cas par rapport au KZ que j'ai, ça a tendance à être plutôt équilibré, donc ce qui est quand même déjà agréable. Le fait que ce soit équilibré déjà est une bonne chose, mais en plus de ça, j'ai un peu la même appréciation que le One More, c'est-à-dire que c'est pas neutre, mais ça s'approche d'une bonne neutralité. Parce que vraiment quelque chose de vraiment neutre a tendance à être assez chiant parce que c'est très neutre, donc on n'a pas tendance à vouloir bouger. Là, ces intras ont juste ce qu'il faut en termes de basse. C'est vraiment très très léger, mais c'est un peu comme les One More. C'est presque neutre, mais pas trop. Mais c'est vrai, ça joue avec les limites. Avec les voix et l'ensemble, ça a tendance vraiment à avoir un bon équilibre. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc on est sur quelque chose de tout simple, c'est-à-dire qu'on est sur... Alors, on pourrait dire triple driver, mais c'est plus dual driver, plus un filtre. En fait, donc on a un driver classique de 10 mm, on a une armature équilibrée, et on a en fait le filtre. Le filtre qui, lui, va filtrer plus ou moins les fréquences. En standard, il n'y a pas de fréquences qui sont filtrées, du moins en tout cas, sont filtrées par la signature plutôt neutre, plutôt polyvalente. Et globalement, ce qui est bien, c'est qu'on a des basses, alors elles ne sont pas très présentes, pour ceux qui adorent les basses, ça va pas être la chose la plus sympathique, mais je trouve que quand on recherche quelque chose d'un peu neutre, d'un peu équilibré, etc., les basses ont tendance forcément à se reculer un petit peu, à être de moins en moins présentes, ce qui est normal. Mais elles sont juste présentes comme il faut, et je trouve ça bien. Les médiums sont vraiment bien mis en avant, et les aigus sont juste comme il faut, un petit peu haut, histoire d'avoir un peu de puissance, alors les hauts médiums et les aigus, un peu de détail, un peu de vivacité, un côté un peu dynamique, comme les basses, elles sont un peu présentes, les sous-basses sont présentes aussi, mais un petit peu, pas beaucoup. Ce qui fait qu'il n'y a pas de réelle fréquence en deçà, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose qui peut être plus ou moins présent, comme ce qu'on a par exemple avec les ZS10, où c'est très présent. Donc déjà, c'est plaisant de ce point de vue-là. Ensuite, ce qu'il y a de surtout très très bien, c'est le côté très aéré, qui me rappelle justement beaucoup les One More. On l'a déjà avec les ZS6 pour ceux qui l'ont. On a une serrure qui est très bonne, très aérée, parce qu'il y a un côté semi-ouvert et c'est bien maîtrisé. Là, c'est encore mieux en fait. On a un côté aérien, un côté beaucoup plus naturel en fait. Les ZS10, par rapport à ceux-là, même si je les trouvais à l'époque plutôt neutres, en fait, ils sont assez dynamiques, mais dans toutes les fréquences, c'est très particulier, mais il y a un côté très dynamique et un peu moins aéré. Un peu moins... La serrure reste très large, mais il y a quelque chose quand même qui reste encore un petit peu... un peu plus compact que cela. Ce qui fait que on est globalement sur quelque chose d'un peu... C'est un peu mieux aéré que les ZS6, qui en soi excellent, et un peu plus neutre. Les ZS10 sont quand même plus dynamiques, certains se plaignent pourtant de l'absence de basse alors qu'il y en a, mais ils sont quand même un peu plus dynamiques et avec des aigus un peu plus agressifs. Les Macao sont globalement, alors les ZS6, l'avantage aussi c'est qu'on avait beaucoup de détails. Ici on en a beaucoup, mais on en a à mon sens un peu moins, mais ça semble beaucoup plus naturel pourtant. J'ai l'impression qu'on atteint le juste équilibre entre les détails et les côtés aérés. Et l'ensemble fait que on va avoir vraiment quelque chose qui respire, vraiment un ensemble très naturel qui est vraiment plaisant et effectivement dans les filtres classiques on est sur quelque chose de très polyvalent sur tous les types de musique, ça va très bien passer, que ce soit du métal à autre chose, et c'est très clair, on a vraiment une meilleure, en plus de ça on a une meilleure séparation des instruments, une meilleure stéréo globalement, ce qui fait que ça respire encore plus et c'est encore plus clair globalement entre les différentes musiques, etc. Ce qui fait que c'est vraiment plaisant. Par rapport aux ZS6, donc comme je dis, ils sont plus neutres, c'est moins agressif, c'est beaucoup plus naturel. C'est vraiment le truc, c'est qu'il y a un côté très naturel qui fait que c'est super agréable et que je ne l'écoute plus qu'avec ça actuellement. Donc c'est vraiment dur de faire les tests des autres intras parce qu'ils ont un côté vraiment très très agréable. Vito d'ailleurs de la Postec, donc il a acheté les ZS6 avec le DAC USB-C qu'il trouve très bien. Il trouve que pour le prix c'est fou. Après les Macao sont mieux, ils sont quand même plus de deux fois plus chers que les ZS6. Mais le son est vraiment beaucoup plus naturel et beaucoup mieux équilibré.
Ce qui fait que ces Macas en termes de son sont vraiment déjà de base sont très, vraiment très très bien. Ils sont super agréables, ils sont jamais fatigants, et ça c'est quelque chose de vraiment très bien. Ensuite les filtres, alors au départ c'est vendu un peu comme un booster de basse d'un côté et de l'autre un booster d'aigu. Alors c'est pas exactement le cas et en fait ce n'est pas un booster en fait, c'est comme c'est un filtre, en fait les basses vont être plus mis en avant parce que ça va filtrer les autres fréquences et ça va les abaisser, ce qui va permettre aux basses d'être plus présentes par défaut, mais il faut mettre plus de puissance. C'est presque comme un égaliseur. Ce qui fait que le problème avec le booster de basse, en fait, comme ça va filtrer les hautes fréquences et le médium, donc qui va les rendre plus bas, on va perdre beaucoup en détail sur cette partie-là et on va... Et les basses qui sont en plus, bah, il n'y a pas beaucoup plus de basses. L'intérêt de passer sur le bass booster est assez limité au final. Donc je ne les recommande pas forcément, c'est ce que les autres ont remarqué aussi et ce que j'ai remarqué aussi, ce qui fait que c'est les moins intéressants globalement. L'autre filtre, c'est le filtre accès aigu qui va être plus pour les pour tout ce qui est classique et tout ce qui est un peu léger. Alors c'est bien précisé en plus de ça qu'il faut utiliser du classique globalement pour écouter ça, parce que si vous écoutez ça pour quelque chose de polyvalent, ça va pas du tout le faire. Pour le coup, en fait, ça va justement mettre un peu plus en avant les aigus, la faire un peu plus passer que le reste. Et ce qui se passe, c'est que quand vous écoutez ça pour un peu tout et n'importe quoi, ça fait très très brouillon en fait, ça a un côté, ça a un côté agressif et brouillon dans les aigus qu'on n'a pas dans le standard, c'est très particulier et je m'y attendais pas forcément, je m'attendais juste à quelque chose de plus agressif ou qui soit juste plus présent. Mais là vraiment en fait, ce qui fait que ça sonne totalement faux dès qu'on les met pour tout et n'importe quoi. Il faut vraiment les utiliser pour du classique global, donc Mozart etc. ou du Audio Machine etc. Là ça passera vraiment bien parce que ça va rehausser un peu tout ce qui est aigu et ça va donner un peu plus un air un peu plus naturel pour cette partie là, ça va être un peu plus les instruments, comme ça reste moins complexe, ça va être mieux géré et globalement le côté aigu est plus sympathique pour cela parce que justement pour tout ce qui est instrument ça va rehausser un peu les détails et ça va être un peu plus fin en fait à l'oreille, alors que les standards sont un bon équilibre mais ça manque un peu de détails. Donc ce qui fait que pour le coup c'est quand même bien vendu globalement parce que ça met vraiment en avant ça c'est plus pour ça, ça va être mieux pour ça, donc les heavy metal ou l'électro effectivement ça va vraiment booster les basses au détriment du reste. Si vous n'êtes pas trop accroché aux détails, ça passe vraiment bien en fait, ça va vraiment mettre en avant plus la basse, les guitares etc, ça va avoir un côté plus fun mais plus sombre, donc c'est surtout ça et on perd en détail, ce qui est un peu dommage. Au final, le meilleur reste quand même le filtre standard et après le côté un peu aigu pour ce qui est un peu plus léger, un peu plus simple et qui demande un peu plus d'aigu en fait pour avoir un côté un peu plus sympathique, ce qui fait que ça y répond bien. Et puis en plus de ça, globalement c'est vrai que clairement c'est vraiment très sympa. Au-delà de ça, donc le confort, comme j'ai dit, il est bien, mais maintenant, la petite chose quand même qui fait un peu défaut, alors au-delà du fait qu'ils soient un peu lourds, c'est au niveau de l'isolation. L'isolation extérieure n'est pas très très bonne, elle est moins bonne que les KZ, les derniers KZ qui sont vraiment très très bons, ce qui fait qu'on entendra un peu plus ce qu'il y a autour de nous, ça aura tendance à moins isoler. Je pense que c'est dû au fait qu'on a ce côté un peu, ce que je vous ai montré, l'espèce de... Ça fait un peu un filtre, donc ça fait un peu particulier. C'est ce que j'avais montré au départ, c'est juste à côté du verre, en fait, on a une espèce de... une grille, en fait, qu'il y a devant. Et je pense que c'est un peu ça, ça permet d'avoir un côté très aéré, mais forcément, ça laisse passer le son vers l'intérieur, donc ça donne pas une super isolation. Pareil pour le côté un peu faire fuiter le son, parce que le son unique en général, ce qu'on voit dans les tests, le fait que les gens entendent le son au nom de nos écouteurs, là où les KZ c'est plutôt bon, même vraiment très bon sur certains, ici il faut l'avouer c'est assez mauvais, il y a beaucoup de son, on l'entend assez facilement dans un endroit un peu calme, beaucoup plus que la plupart des écouteurs que j'ai eu jusqu'à maintenant, ce qui fait que c'est pas terrible, ça peut déranger dans un endroit un peu calme si vous mettez un peu fort, c'est parmi les plus ceux qui font passer le plus de son, je pense que c'est ce qui permet aussi ce côté très très aérien du son, c'est ce côté assez ouvert, j'ai l'impression que c'est assez ouvert au final pour avoir ce côté aéré. En tout cas, ce que je peux conclure, c'est que c'est des intras très très bons, mais vraiment très bons. Ceux qui sont déjà passés par la case KZ avant et qui veulent augmenter en gamme, qui ont une bonne sortie audio, donc moi qui ai une Meizu, c'est super agréable, eh bien on peut vraiment en profiter comme ça. Avec un, si vous avez un petit DAC portable ou si vous avez un smartphone dédié à l'audio, donc les LG, HTC ou justement les Meizu,
et bien même Vivo dernièrement, enfin dernièrement ils sont là plus longtemps mais c'est ça va arriver, vous allez vraiment adorer ces écouteurs. Si vous voulez évoluer en gamme, moi c'était vraiment dans cette idée là, moi qui avais un peu peur d'y investir et me disant bah ça va pas beaucoup changer, en fait ça change beaucoup de choses. C'est pas, ça va pas tant, en fait c'est dans l'équilibre du son, dans l'équilibre de la stéréo qui reste assez large aussi, dans le réglage, en fait dans un peu tout, ça reste assez, c'est à la fois très léger comme modification mais on sent qu'il y a beaucoup plus de professionnalisme et de temps consacré à la création de ces intras pour au final quelque chose de bien mieux. Ce qui fait que ces intras en fait à l'heure actuelle en gros ça remplace mes ZS6 en top 1 clairement, et ça va à côté de mes ZS10 qui sont un peu différents. Si je dois les comparer aux ZS10, en termes de qualité audio, en termes de profondeur, de rendu audio, de côté assez, entre guillemets, premium sur le côté qualitatif dans les oreilles, on est quelque chose de similaire. Les ZS10 sont par contre beaucoup plus axés dynamiques, axés fun, avec des grosses basses, des vocales bien mises en avant, donc pas du tout équilibrés, vraiment côté fun. Et ici, on va avoir quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sage, et beaucoup plus aérien. Et pour moi, je les mets même au-dessus des KZ, ZS10. C'est pas du tout la même chose, mais en termes de qualité audio et en termes de ressenti, je sens que j'ai passé un cap et que j'ai pas l'impression d'avoir jeté mon argent par les fenêtres en prenant cela. J'ai vraiment l'impression d'avoir passé un cap et d'avoir une bonne évolution audio sur l'ensemble. Donc si c'est ce que vous cherchez, vous voulez chercher quelque chose d'un peu plus neutre, mais un peu plus aérien, d'un peu plus maîtrisé et équilibré, ces Maca vont beaucoup vous plaire. En plus de ça, ils sont jolis, ils sont discrets et ils sont assez sympas. Ce qui manque aujourd'hui, bah, c'est j'aimerais bien qu'il y ait le câble USB-C comme ce qu'a sorti KZ en mode de pin, mais pour les modes MMCX, qui est pourtant le truc le plus répandu, je crois, dans le monde en termes de câbles détachables normalisés. Deux pins, ça a l'air assez présent, mais dès qu'on va plus dans l'autre gamme, c'est plus le MMCX qui est présent. C'est dommage, il n'y en a pas encore, mais je pense qu'avec le même type de câble USB-C qu'a proposé KZ, qui est juste dément, je pense que je peux avoir un meilleur son encore, parce que le Pro 6 Plus est moins bien que ce câble-là. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo qui est très intéressante du point de vue de ce câble. Ce qui fait que je regrette absolument pas mon achat, que ce soit au niveau des accessoires, que ce soit même la petite idée de pouvoir changer de filtre, et que ce soit au niveau du son. Mais il faut bien savoir ce que vous voulez, c'est vraiment comme les One More, c'est très aérien, plutôt neutre, mais vraiment ça joue avec les limites pour que ça reste assez fun, et ce qui fait que c'est pas donné à tout le monde. Il faut déjà avoir un petit peu un pas dans l'audio, et les KZ sont vraiment bien faits pour ça, pour aller chercher quelque chose d'un peu mieux, d'un peu plus maîtrisé. J'espère que ce test vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test. N'hésitez pas à passer par le lien pour tout simplement me soutenir par rapport à ça. Je sens que Naïssa HTK vont bien apprécier. Et on se dit à bientôt pour un prochain test, encore je le dis. N'hésitez pas aussi si dans les commentaires vous avez des questions, ou si sur Twitter vous voulez en débattre, en discuter par rapport à tel ou tel écouteur que vous avez, que j'aurai testé. Ça me permettra de vous orienter, de vous guider. Mais c'est toujours un plaisir en tout cas de me mettre un peu plus dans l'audio. J'adore vraiment ça. Et ça me plaît de plus en plus. Et là, je vous avoue qu'avec les Macaos, c'est un vrai bonheur. Sur ce, voilà, c'est fini. À la prochaine. Ciao.